Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Alors j'ai gagné la dernière fois sur une page Facebook un concours organisé par notre chère Sandrine Kikampois. Voilà, donc il y avait deux toiles à gagner, une toile avec des diamants carrés, une toile avec des diamants ronds, la même toile mais seuls les diamants changés. Donc j'ai gagné la toile avec les diamants ronds, je l'ai reçue ce matin, voilà, merci beaucoup parce qu'elle a été très rapide. Elle m'a gâtée aussi hein, puisque dedans j'ai eu une petite surprise en plus. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous dévoiler la toile et on va regarder ensemble les sachets des diamants. Je m'excuse, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Donc c'est une toile qui fait 40 par 30, voilà, hein, vous pouvez le voir. Elle est arrivée bien enroulée, en bon état. La toile est assez épaisse. Donc ça va être très bien pour. Ça va être très facile pour la travailler. Plus pratique en tout cas. Donc comme à chaque fois, je déplie les coins et je les décolle de façon à ce que ça ne tourne pas, que ça ne s'enroule pas à nouveau. Et après, je vais vous montrer donc les symboles de la toile, le motif, si on arrive à la voir, à moins que je vous la sorte du paquet. Voilà. Donc, elle a déjà été vérifiée par Sandrine. Je vais vous montrer. Donc ça, voilà, c'est le motif que j'ai gagné. Donc comme vous voyez, hein, c'est Pumba en 40 par 30 et en diamant rond. Donc, je vais vous passer du coup le contrôle des diamants, hein, puisque Sandrine me l'a gentiment fait. Je lui fais confiance. Voilà. Et voilà, vous voyez. Les couleurs sont sympas, surtout dans les tons rouge orangé. Voilà. Voilà, voilà, rouge orangé, bordeaux. Voilà. Et après, il y a un petit peu de 310, mais pas grand chose. Voilà, voilà. Donc, pour le coup, ça va me permettre en fait. Donc travailler un petit peu les diamants ronds, parce que là je ne fais que du carré en ce moment. Et ça va me permettre de travailler avec les stylets que j'ai achetés à Marine. Voilà. De la boutique Les Passions de Marine. Donc voilà, donc ça c'était pour les diamants que du coup je ne contrôlerai pas puisque Sandrine l'a déjà fait comme je vous l'ai dit. Maintenant je vais ouvrir la toile, on va regarder les symboles. Alors elle est nickel, là il n'y a pas de rivière. Allez, je vais vous la montrer. Voilà. Donc ça c'était pour un côté. Je vais avec ma règle, parce qu'elle est grande et solide, je vais remettre correctement le papier de façon à ne pas recréer de moi-même une rivière, ce serait dommage. Voilà. Et voilà donc l'autre côté. Vous voyez, alors regardez, je sais pas si vous allez voir la qualité. Ça m'a l'air pas trop mal. Après. Après c'est très foncé, donc il va falloir que je travaille avec ma tablette lumineuse, hein, parce que là pour le coup, pas trop y voir grand chose. Voilà, donc je vous la montrerai une fois que je l'aurai terminée. Je ne vais pas la faire tout de suite. Là je suis en train d'en finir une. Et après, je ne cesse de vous le dire. Hein, je suis en train de faire dans le même temps. La toile Pokémon avec Hélène. Je vais commencer aussi avec un groupe dont je suis modératrice. On va commencer le défi fil rouge.
Voilà, où on a tous les mêmes thèmes, mais avec des toiles différentes. Voilà, donc j'ai quelques heures de dépôt en perspective. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la toile que j'ai reçue ce matin. Et puis ben, on se retrouvera très très vite, je pense, certainement demain ou après-demain, puisque nous y sommes. Nous avons atteint, enfin j'ai atteint les 100 abonnés sur ma chaîne. Donc ben, j'espère que ça va continuer à monter. Je vous ferai une petite vidéo demain donc, pour vous expliquer un petit peu les principes du concours. Et voilà, et pour ceux qui regarderont la vidéo d'aujourd'hui en entier, je vous précise à nouveau que c'est un concours, il va y avoir 3 gagnants. Donc j'ai vu un peu gros, mais voilà, c'est 3 gagnants, histoire de dire que tout le monde a un petit peu sa chance. Et après, je vous referai une vidéo puisque j'ai un swap qui est en route. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille visionner ma petite vidéo express et on se retrouve bah, pour le coup demain ou après-demain en fonction du temps qu'il va faire parce qu'ils annoncent très mauvais par ici et je crains par rapport à la connexion. Donc voilà, je vais vous laisser. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de laisser vos petits commentaires et puis de partager et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous embrasse. À bientôt! I like me better when I'm with you.